Bonjour, public des rendez-vous d'histoire de Québec. Aujourd'hui, on vous propose une table ronde sur écrire la Révolution tranquille. Et avec moi, j'ai aujourd'hui Martin Paquette, professeur d'histoire à l'Université Laval, et Stéphane Savard, également professeur d'histoire à l'UQAM. Donc, bonjour Martin et Stéphane. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Aujourd'hui, on va parler de votre superbe livre que j'ai ici en ma possession, donc Brève histoire de la Révolution tranquille, récemment paru chez Boréal. D'abord, je veux vous poser une question sur votre démarche en tant qu'auteur. Donc, ce n'est pas le premier livre qui est écrit sur ce sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et dont on entend encore parler aujourd'hui. Donc, en quoi votre livre se démarque, puis quelle a été votre démarche d'auteur pour aboutir à cette brève histoire de la Révolution tranquille? Est-ce qu'il y a des choix déchirants qui ont dû être faits? Parce qu'on s'entend qu'une brève histoire, même si la vôtre n'est pas si brève, hein, on s'entend, on est à plus de 200 pages, il y a des choix éditoriaux qui ont été faits, là. En Martin, effet, je sais pas si tu veux commencer. il y a eu des choix. Bon, il faut dire que la démarche, évidemment, c'est une démarche collective. Ça, c'est une chose qui est importante. Nous avons réfléchi collectivement, Stéphane et moi, okay, à quels seraient les grands arcs, les grands éléments, les grands thèmes de la Révolution tranquille, avec un défi. Mais le défi, c'est 65 000 mots. Okay, donc, 65 000 mots, ça nous oblige à faire des choix. Donc, on n'a pas. Évidemment, quand on arrive avec une synthèse, les choix sont cruciaux là-dedans. Mais il faut que ces choix-là nous permettent de mieux comprendre. Ça, ce sont les éléments pour lesquels nous avons mis l'accent là-dedans. Donc, parmi ces choix, il y avait des éléments qui nous semblaient incontournables. Un, nous faisons de l'histoire des Québécois. Qu'est-ce qu'un Québécois? Qu'est-ce qu'une Québécoise? Pour nous, ce sont les habitants qui vivent sur le territoire du Québec. Donc, ça, c'était une condition sine qua non. Pour comprendre ce qui se passe, il fallait donc cerner ces habitants-là. Un. Deux, on est des historiens du politique. Donc, quand on parle de l'histoire politique, la principale institution, c'est celle de l'État. Et l'État, c'est l'État provincial pour nous. Donc, mais ça nous a semblé être l'élément majeur de la Révolution tranquille. Comment les Québécois ont-ils perçu la Révolution tranquille, entre autres par l'État. L'État qui est un moyen pour le développement économique, pour le développement social, pour le développement national. Donc, c'était le véritable moteur de développement qui nous permettait aux Québécois de l'époque, justement, et aux Québécoises de l'époque, de pouvoir se développer. Je vais laisser parler maintenant à Stéphane parce qu'il y a des choses à dire lui là-dessus. Stéphane, j'aimerais ça t'entendre aussi sur en quoi votre livre là, se distingue de la production qui a déjà été faite sur la Révolution tranquille. Oui, bien, d'abord, aussi étrange que cela puisse paraître, il y a très peu de livres qui ont porté exclusivement sur la Révolution tranquille, puis et qui offrent une perspective historienne sur la Révolution tranquille. Le dernier, c'était Léon Dion avec la Révolution déroutée. Il y a eu des grandes synthèses de l'histoire du Québec dans lesquelles la Révolution tranquille occupait ou occupe un chapitre, par exemple, mais un livre qui offre une synthèse globale sur cette période qui est la Révolution tranquille, ben, une période marquante en plus de l'histoire du Québec, il y en a très peu. Alors, le dernier est remonté à 1995. Alors, je pense que c'est d'abord, il y avait là une nécessité qu'on revienne sur cette période-là dans un livre en entier. Je dirais qu'on offre une synthèse. Puis pour reprendre certains éléments que Martin a soulevés, on offre une synthèse. Donc, c'est quoi une synthèse? On doit faire un survol des principaux acteurs, des principaux événements, mais surtout des principaux phénomènes et mouvements qui ont eu lieu durant cette période qu'on prend comme un bloc, qui est la période de la Révolution tranquille. On reviendra tout à l'heure, je pense, sur les dates, sur la périodisation. Donc, un survol, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut nous reprocher parfois de parler trop rapidement de certains phénomènes ou quoi que ce soit, mais tout ça s'inscrit dans une idée de synthèse.
et on permet donc aux gens d'aborder le plus possible d'éléments, de phénomènes, d'acteurs qui permettent de comprendre ce qu'est la Révolution tranquille. Ensuite, c'est on ouvre une page et puis les gens vont pouvoir par la suite s'intéresser à tel ou tel phénomène, tel ou tel acteur, et puis ils pourront aller plus loin ensuite. Il y a tout plein d'études qui ont été faites dernièrement qui portaient en partie sur la Révolution tranquille, et nous, on reprend plusieurs de ces études-là dans la synthèse qu'on a. Parfait, merci. Bien là, j'aimerais ça qu'on se prête à un petit jeu, hein, parce qu'on a parlé de la Révolution tranquille, mais on n'a pas vraiment parlé de son essence encore. On va plonger là-dedans tranquillement. J'aimerais que vous me résumiez l'esprit de cette Révolution tranquille en trois mots, puis expliquez votre choix de mots. Stéphane, je ne sais pas si tu veux te lancer le premier. Bon, là, on s'en est pas parlé, moi puis Martin, de ces trois mots-là, hein. Donc, c'est pas facile ce que tu nous poses, Valérie, mais c'est hyper intéressant. Moi, j'ai trois mots qui me viennent en tête lorsque on veut décrire et comprendre ce phénomène de la Révolution tranquille. D'abord, État, nationalisme, puis droit. Et je pense que ces trois mots-là viennent nous permettre de comprendre la synthèse qu'on a voulu faire sur la Révolution tranquille. État, pourquoi? Ben, pour nous, la Révolution tranquille, c'est le moment où il y a un consensus relatif dans l'espace public, au sein donc de l'espace sociopolitique, pour que l'État québécois devienne le garant du bien commun. Donc, c'est un État-providence. Donc, État très important. Nationalisme, parce que c'est le phénomène qui englobe un peu cette idée d'émancipation collective derrière la volonté de faire de l'État du Québec le garant du bien commun. Et donc, le nationalisme est un moteur hyper important qui parcourt tout au long de la période de la Révolution tranquille des années 60-70. Et qui, justement, d'abord est centré sur, au début des années 60, sur les Canadiens français du Québec qui veulent s'émanciper économiquement et, pour certains, même politiquement du Canada. Mais ensuite, le nationalisme aussi va prendre une coloration de plus en plus civique au fur et à mesure que les années 70 vont avancer. Si on regarde, par exemple, qu'est-ce que le Parti québécois a voulu faire, et notamment par rapport à la fête nationale, entre autres. Et le troisième mot-clé, puis je laisserai la parole à Martin ensuite, c'est droit. Puisque au cœur d'un phénomène très important de la Révolution tranquille, qui est celui de la prise de parole, donc on aura l'occasion probablement d'y revenir tout à l'heure, il y a la question, donc, de tout plein d'acteurs sociaux, politiques, des protagonistes de groupes de pression, de mouvements sociaux, qui vont vouloir mettre de l'avant la notion des droits économiques, des droits, on pourrait dire, des droits, droits à l'environnement, droits à l'égalité, entre autres dans les rapports sociaux de sexe pour les groupes féministes, par exemple, et donc qui vont se tourner vers l'État. Je reviens au premier mot-clé, pour élargir ce bien commun en fonction, on pourrait dire, dans le prisme de cette volonté d'élargir les droits collectifs et les droits individuels pour des citoyens au sein de cet État-là, de l'État du Québec. Parfait, merci. Et maintenant, Martin. Ah, bien, ça ressemble pas mal avec Stéphane. C'est normal, on écrit le livre en même temps. Donc, on écrit à quatre mains. Donc, d'une part, c'est le rôle de l'État. L'État, l'État-providence, un État qui veut assurer le développement économique, le développement social, le développement culturel, le développement national des individus qui vivent sur ce territoire-là. Donc, c'est un élément qui est particulièrement important et c'est une conviction qui est assez hégémonique dans l'espace public. Les gens veulent se reconnaître à l'État. Et ça, peu importe
je dirais, leur région, leur appartenance ethnique, leur sexe, ainsi de suite. Ce sont des... Ils vont peut-être réagir de manière négative à certaines activités de l'État, mais ils vont considérer que l'État est un élément important. Le deuxième élément, c'est la notion de droit, encore une fois. Le droit est crucial également, parce que c'est ça qui permet d'habiliter les citoyens et les citoyens qui sont là. Et ça, peu importe où ils sont. On le voit, entre autres, dans les causes nationales. On va dire, bon, le Canada français qui devient Québec à ce moment-là, pour bien des Québécois francophones, à ce moment-là, c'est un élément de droit, c'est-à-dire le droit à l'autodétermination, par exemple, le droit à avoir un avenir, un projet politique qui soit distinct en tant que tel. On va le voir avec le mouvement, d'une part, du mouvement indépendantiste, mais on va le voir aussi avec les manifestations du fédéralisme qui sont présentes là, sont très axées sur la notion de droit en tant que tel. Mais pas seulement que pour les nationalistes ici, c'est aussi des éléments qui relaient, par exemple, pour le droit pour les femmes, le droit de disposer de leur corps, par exemple. Le droit aussi, par exemple, à l'environnement, qui est souligné à plusieurs reprises. Le droit aussi, par exemple, pour les gens dans les régions, qu'on reconnaisse, justement, la plénitude de leur mode de vie, et ainsi de suite. Donc, c'est une deuxième dimension. La troisième question, je ne dirais pas sur le nationalisme, mais ça comprend le nationalisme. Moi, c'est plus le terme d'émancipation qui est important là-dedans. Et le terme d'émancipation, on le voit, ça va se manifester, entre autres, avec la question nationale. Ça, c'est évidemment, c'est au cœur de ce qu'on, du phénomène de la Révolution tranquille. On s'entend là-dessus, mais ce n'est pas seulement que la question nationale qui manifeste la question de l'émancipation. Je parlais tout à l'heure des femmes, par exemple. Lorsqu'on parle de questions comme le droit à l'avortement ou le droit à la contraception, ou le droit, par exemple, à avoir un monde qui soit débarrassé, justement, de la violence faite contre les femmes, ainsi de suite. Eh bien, ce sont des éléments d'émancipation qui sont là. Parlons, par exemple, dans le cas des Autochtones aussi. Les Autochtones, il y a toute une voix politique qui se manifeste à ce moment-là et qui va dire, bien, écoutez, nous, on tient à prendre parole. On va, par exemple, s'opposer au Livre blanc en 1969 de Pierre Trudeau, en ce qui veut abolir les réserves, parce qu'on dit, nous, on a des droits, puis on est des Autochtones, on tient à avoir ces droits, on tient à être reconnus, et ça, c'est une façon par laquelle l'émancipation transite. Donc, trois éléments, État, droit, émancipation, mais ça comprend évidemment la dimension nationale. Donc, on voit que les grands esprits se rencontrent puis que vous avez fait un travail d'équipe remarquable là-dessus. J'aimerais parler avec vous de la temporalité de votre livre parce que, bon, quand on pense Révolution tranquille, je pense que la décennie qui vient à l'esprit le plus rapidement, c'est les années 60. C'est clairement les années qui se démarquent. Mais vous avez fait un choix différent. Donc, j'aimerais que vous parliez de votre rapport au temps dans l'écriture de cette brève histoire parce qu'on parle souvent de temporalité, évidemment. Bon, vous êtes historien, on ne peut pas s'en sortir. On parle de texture du temps, on parle de kéros, donc tous ces éléments-là qui ont rapport avec cette temporalité, puis des balises temporelles aussi. On commence avec le début des années 60 et on s'étend là, dans votre brève histoire jusqu'au début des années 80. Donc, pourquoi, comment vous avez abordé la temporalité et pourquoi ces balises temporelles? Comme je le mentionnais au début, c'est une question de choix. Okay? C'est un choix que nous avons déterminé, puis quand on a décidé de travailler, entre autres, sur les habitants du Québec, le territoire québécois, et la dimension de l'État, donc, ce qui était le principe intégrateur, justement, c'est la dimension de l'État, c'est le rapport que les Québécois ont avec l'État. Et c'est un élément qui est important. Quand est-ce qu'on peut voir que ce rapport avec l'État se transforme en tant que tel. Bien sûr, dès les années 1930 et les années 40, il y a des gens qui sont des précurseurs, qui vont dire, bon, c'est important que l'État québécois soit présent, intervienne, ainsi de suite. À partir de quel moment que c'est généralisé à ce moment-là? Eh bien, c'est à partir de la mort de Maurice Duplessis. Maurice Duplessis avait une conception de l'État qui était la sienne, qui correspondait aux enjeux de son époque en tant que telle, qui s'inscrivait justement dans le cadre confédéral, et ainsi de suite.
mais c'est un État qui n'intervenait pas dans le domaine de l'économie en tant que tel. Ce n'était pas un État dirigiste. D'ailleurs, il se méfiait beaucoup de ce qu'on appelait le paternalisme de l'État. Ah, dès la mort de Duplessis, dès des gens comme Paul Sauvé ou Antonio Barrette, puis évidemment avec Jean Lesage, okay, on voit que le rapport à l'État se transforme. On dit que c'est important que l'État provincial intervienne, que l'État québécois intervienne. D'ailleurs, l'expression l'État du Québec se développe beaucoup dès ce moment-là. Donc, c'est la première balise. Donc, on s'est dit, on sait où ça commence. C'est trop facile de dire où ça commence. Là, où ça se termine. Okay? À partir de quel moment on a commencé à remettre en cause de manière importante le rôle de l'État? Et on le voit dès la fin des années 70, début des années 80. Bon, premièrement, il y a évidemment le projet souverainiste qui connaît un échec majeur avec le référendum de 1980. Donc, mais encore là, on croit quand même, parce que le gouvernement Lévesque, le gouvernement de René Lévesque, insiste quand même sur le rôle de l'État québécois pour intervenir dans différents domaines. À partir de quand? Ben, c'est évidemment l'arrivée du néolibéralisme. À la suite des récessions, la principale récession du début des années 80, c'est à ce moment-là où on peut voir justement un déclin, une méfiance de l'État. On considère qu'il n'est pas assez performant, que l'État brigue les initiatives privées en tant que telles. Et ça va être très manifeste, entre autres, avec les négociations du secteur public en 82-83 et particulièrement avec la loi de retour au travail qui met fin à la grève illégale des enseignants en février 1983. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une rupture. Une rupture dans les convictions. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit plus à l'État. Bien au contraire, on va voir souvent par la suite des éléments qui vont s'inspirer de l'État-providence, entre autres à l'époque des années 90, par exemple. Cependant, ce n'est plus aussi consensuel que ce l'était entre 1959 et 1983. Si je peux ajouter, je suis tout à fait d'accord avec ce que Martin vient d'expliquer et il justifie bien l'ensemble, donc les balises en amont et en aval de notre périodisation que l'on propose en tant qu'historien pour cette révolution tranquille-là. À ce sujet, au sujet de la périodisation globale que nous proposons, il y a une part d'originalité dans ce que nous apportons, mais nous ne sommes pas seuls à considérer que parmi les chercheurs, que la révolution tranquille, c'est beaucoup plus large que les années 60-66 ou que les années 60 en général. Alors, il y en a d'autres aussi avant nous. Peut-être. Et là, je rejoins la première question que tu nous as posée, Valérie, une part d'originalité dans notre approche et dans le rapport au temps que nous employons comme historiens pour décrire et pour plutôt expliquer le phénomène de la Révolution tranquille, c'est la sous-périodisation que nous proposons. Donc oui, pour nous, la Révolution tranquille, c'est de 59 à 82-83, mais au-delà de cela, nous proposons une révolution tranquille qui se déroule en trois moments forts qui vient jeter la lumière, vient éclairer donc trois mouvements dans cette révolution tranquille. La première étant la période 1959-60 jusqu'au tout début des années 70. C'est le moment de l'État, dans un mouvement qui vient beaucoup plus du haut vers le bas, donc des élites politiques et des technocrates autour de ces élites-là, donc qui proposent de grandes réformes à l'État québécois. Et il y a un deuxième mouvement phare dans cette révolution tranquille qui arrive un peu plus tard, donc de 67 jusqu'à milieu des années 70, jusqu'à 1975-76, et c'est le moment de la prise de parole. Et le moment de la prise de parole, c'est tout plein de nouveaux protagonistes qui prennent la parole justement dans l'espace politique, médiatique, dans le champ sociopolitique, et qui vont proposer, plutôt qui vont politiser
des nouveaux enjeux de société et en politisant ces nouveaux enjeux de société vont donc vouloir proposer des réformes, donc que l'État québécois entreprenne de nouvelles réformes, pousse plus loin des réformes déjà entreprises pour justement élargir les droits socio-économiques, entre autres l'idée d'émancipation que Martin parlait tout à l'heure. Et donc, sont derrière cette prise de parole, ces nouveaux protagonistes sont derrière donc de nouvelles réformes. Et pour nous, ça, c'est un autre mouvement de la Révolution tranquille associé à une sous-périodisation qui lui est propre, mais qui va apporter un second souffle à la Révolution tranquille. Et le troisième étant, justement, on pourrait dire, de 1975-76, donc avec l'arrivée du Parti québécois, qui est pour nous le moment de la synthèse, où justement, le mouvement du haut vers le bas et le mouvement du bas vers le haut, qui est celui de la prise de parole, se rencontrent. Et se rencontrent au sein d'un gouvernement qui est celui de René Lévesque, le gouvernement Lévesque, dont plusieurs des ministres de ce gouvernement-là sont issus des mouvements sociaux et des groupes de pression. Et donc, qui font un peu la synthèse de ces deux grands mouvements-là et qui vont amener de nouvelles réformes. On parle souvent du premier gouvernement Lévesque, donc celui de 1976-1981, comme étant un moment où il y a eu justement plusieurs réformes. Les réformes se sont poursuivies. Alors, pour nous, ces trois moments-là, associés à trois mouvements bien particuliers, pour nous, c'est ça la Révolution tranquille et il y a une grande continuité entre ces sous-périodisations-là qui nous font dire donc que la Révolution tranquille commence en 1959 et c'est pas vrai qu'elle se termine en 66 ou en 70 ou en 71, non, elle se poursuit jusqu'en 82-83. On a parlé de la temporalité, puis là, pour l'incarner, la Révolution tranquille, là, il y avait des élites définitrices, c'est le terme que vous employez dans votre brève histoire. Qui sont les architectes de cette Révolution tranquille? Qui l'incarne, cette Révolution-là, et à qui appartient cette parole? Qui peut être une élite définitrice à l'époque? Martin? Ah, bon, OK. Quand on entend par élite définitrice, okay, ce sont des gens qui occupent une position sociale particulière. Ils sont capables de déterminer, ils sont capables de définir les orientations d'une société. Donc, ça veut dire qu'ils possèdent par leur fonction en tant que telle, que ce soit des hommes politiques, des femmes politiques également, parce que de plus en plus, on voit des femmes occuper des postes de responsabilité. Ce sont des hauts fonctionnaires, ce sont des parfois des éditorialistes, ce sont des gens qui sont capables de donner non seulement, je dirais, une conception de la société, mais qui sont capables aussi de l'imposer dans un certain sens. Et la plupart de ces gens qui font partie des élites définitrices, on parle souvent des baby boomers. En vérité, c'est pas tant les baby boomers que la génération juste auparavant. C'est-à-dire la génération qui est née pendant la crise économique, qui a connu les collèges classiques, qui est passée dans les premiers moments de modernisation de l'université en tant que telle. Donc, ces gens-là, en 1960, eh bien, ce sont des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont dans la fleur de l'âge, qui sont capables d'occuper des postes d'autorité et qui vont se retrouver à l'intérieur, justement, des différentes arcanes de l'État en tant que tel. Ça va être, par exemple, les grands responsables politiques, des premiers ministres, des gens comme Jean Lassalle, Daniel Johnson, Jean-Claude Bertrand, Robert Bourassa, René Lévesque, par exemple. Ce sera aussi des ministres importants. Je pense à quelqu'un comme Paul Gérin-Lajoie, des gens comme Georges-Émile Lapam, Pierre Laporte, et même des gens comme Claude Castonquet par la suite. Et évidemment, à l'époque du gouvernement du Parti québécois, ils sont légions. Là, on parle de types comme Jacques Parizeau, Bernard Landry et d'autres.
quand je parlais de Jacques Parizeau, c'est aussi des gens qui, dès le début de la Révolution tranquille, vont avoir des postes d'autorité parce que ce sont des hauts fonctionnaires. C'est sûr que des gens qui vont investir l'appareil d'État. Donc, Jacques Parizeau en est un. André Marié, Michel Bélanger, des gens comme Guy Coulombe, Claude Morin, des gens comme Yves Martin, ce sont tous des gens qui ont eu un impact considérable. Roch Bolduc, ce sont tous des gens qui ont des gens qui ont contribué à la désification de l'État québécois de cette façon-là. Et évidemment, bon, je parlais de certains éditorialistes, et ainsi de suite. Quelqu'un comme Claude Ryan, par exemple, joue un rôle assez considérable parmi ces élites définitrices. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces élites définitrices-là, dans l'instauration de leur projet de société, eh bien, tout ne se réalise pas, ne roule pas sur des facilement. C'est que, bien sûr, il va y avoir des grands projets. On pense, par exemple, à Hydro-Québec, que Stéphane a très bien étudié dans ses travaux antérieurs. Je pense, par exemple, à la Société générale de financement. Je pense, par exemple, à toute la réforme de l'éducation qui s'est produite dès les années 1961 jusqu'en 1900, à la fin des années 60 en tant que tel. Donc, il y a des résistances, il y a des éléments, et là, c'est à ce moment-là qu'on parle de prise de parole. La prise de parole, ce sont des citoyens qui sont là. Et le meilleur exemple qu'on peut donner en termes de prise de parole, qu'on peut donner, c'est la question linguistique. La question linguistique, ce ne sont pas les membres des élites définitrices qui ont cerné la question linguistique, qui la rendent comme un problème politique. Bien sûr, certains s'en rendent compte. Par exemple, Valérie, tu l'as remarqué avec des gens comme André Laurendeau, par exemple. Absolument, oui. Donc, mais André Laurendeau, lors de la commission Laurendeau-Dunton, il rencontre des citoyens et des citoyennes qui font part de leurs préoccupations linguistiques. Et quand, dans le cas québécois, lorsque ça éclate sur la question linguistique, c'est avec la fameuse crise de Saint-Léonard, avec des parents d'élèves. Ce sont des simples citoyens, d'un côté, qui sont en faveur de l'unilinguisme français, d'autre côté, qui sont en faveur d'un enseignement bilingue, voire un enseignement uniquement en anglais. Et c'est à la suite de ça que, là, le personnel politique est pris devant ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour régler cette question-là, cette prise de parole qui est turbulente? Parce qu'elle cause un débat du public. Saint-Léonard, faut pas oublier, ce sont des émeutes, Saint-Léonard. Ce sont des gens qui font le coup de poing, qui se battent à coups de chaise, ainsi de suite. Ils vont manifester. Et c'est à l'époque aussi, on craint beaucoup le terrorisme, à l'époque du FLQ, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'éléments où on dit, voici, la marmite bouillonne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, la prise de parole devient importante ici. La prise de parole met des problèmes politiques. Là, je parlais par exemple de la question linguistique, mais j'aurais pu très bien parler, par exemple, de la question environnementale, ou encore la question des régions, ou encore la question des femmes, ou encore la question des Autochtones. Ce sont tous des éléments qui relèvent ici de protagonistes qui, dans l'espace public, de simples citoyens, de simples citoyennes qui vont devenir des militants en tant que tels. Pour ajouter un mot ou deux à ce que Martin vient de brillamment illustrer, dans le fond, la Révolution tranquille, pour nous, ce n'est pas que le seul produit des élites définitrices. Ce n'est pas uniquement les élites définitrices qui entament des réformes et qui politisent les enjeux qui veulent bien politiser. Et c'est ce qui est bien illustré par notre deuxième période, c'est celui de la prise de parole, comme Martin l'a expliqué. Et même dans la première période, celle du mouvement du haut vers le bas, où on dit c'est dans les années 60, particulièrement dans la première moitié des années 60, du gouvernement Lesage, par exemple, ce sont surtout les élites définitrices qui vont proposer des réformes et qui vont aller chercher le consensus dans la société. Donc, l'initiative provient des élites définitrices, mais on voit cette prise de parole citoyenne-là, même au début des années 60, sur un enjeu, par exemple, comme les réformes en matière d'éducation. Gérin Lajoie, là, il est obligé de prendre son bâton du pèlerin en, en,
en 1964, là, pour aller convaincre les citoyens que le projet de loi qui va créer le ministère de l'Éducation, c'est le bon projet de loi, c'est la bonne approche. Et il rencontre beaucoup de résistance, beaucoup, beaucoup de résistance. Il y a des groupes, des mouvements sociaux qui l'appuient, il y en a d'autres qui sont en défaveur de ce projet-là, qui considèrent que l'éducation doit relever encore, et surtout des parents, et que l'Église a un très grand rôle à jouer encore. Donc, voilà un exemple. Mais ce qu'on voit arriver, ce sont, comme Martin l'a dit, tout plein de nouveaux protagonistes qui vont politiser des nouveaux enjeux. Il va y avoir un choc des valeurs entre ces nouveaux protagonistes, des porte-parole des différents mouvements sociaux, des groupes de pression en matière d'environnement, de féministes, tout plein de groupes et qui, en matière linguistique par exemple, il y a un choc des valeurs. Et ce qu'on explique, Martin et moi, c'est que ce choc des valeurs-là est très important. C'est ce qui apporte un second souffle à la Révolution tranquille parce que ça va pousser ces élites définitrices. Souvent, ce sont donc un choc des valeurs, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement contestataire. Là, il y a des revendications qui sont parfois contestataires. Ça va pousser les élites définitrices dans leur retranchement. Ça va les forcer à réagir. Et ce choc-là va même mener à l'élection du Parti québécois, dont plusieurs des députés sont issus, justement, comme je le disais tout à l'heure, de différents groupes et mouvements de pression. Et le Parti québécois, une fois au pouvoir, le gouvernement Lévesque, donc, va amener dans le champ politique, dans l'agenda politique, des enjeux qui sont revendiqués depuis quelques années déjà. Alors, la création du PAP, par exemple, le Bureau d'audience publique en environnement, c'est un exemple central. L'environnement, la création d'un ministère de l'environnement, c'est un enjeu important pour le gouvernement Lévesque, et c'est pas surprenant quand on voit aussi qui militait au sein de différents groupes de pression associés, par exemple, aux enjeux environnementaux. Et donc, parmi ces porte-parole-là, il y en a qui sont élus pour le Parti québécois. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui montre que ce choc des valeurs-là est important et apporte des nouvelles réformes. Et il y a une coloration particulière au Québec, puisque naturellement, dans cette prise de parole-là, il y a des influences extérieures qui arrivent d'un peu partout, en Amérique du Nord, dans le monde occidental, en Occident. Les enjeux d'environnement, ce sont pas des enjeux propres au Québec, là. Les groupes environnementalistes au Québec, c'est pas eux qui sont, qui ont parti de balle au niveau des idées, des droits à l'environnement, du droit à la protection de l'environnement. Mais il y a une coloration particulière qui dans l'expérience québécoise, puisque par exemple le BAP, c'est une institution qui est créée, un organisme étatique qui est créé et qui, à ce moment-là, c'est jamais vu au Canada. Donc, l'expérience québécoise a quelque chose de particulier et c'est cette prise de parole-là et la rencontre avec les élites définitrices et puis les pressions qui seront exercées qui vont mener à des réformes. Je vois Il y a un certain choc de génération aussi là, entre ces élites définitrices et la jeunesse par la suite, parce que plusieurs parmi ces élites, si on prend par exemple André Laurendeau ou Léon Dion, c'est des gens qui croient encore au modèle fédéral, qui croient à une meilleure place du Québec, à des notions comme l'État associé, le statut distinct. Mais les jeunes, eux, trouvent déjà que ce modèle-là est complètement ringard, là. On pense à Parti pris, puis à ceux qui l'animent, puis ils voient des gens comme André Laurendeau qui est en train de se démener sur la scène fédérale pour la reconnaissance du biculturalisme, mais ils se mettent à le voir comme un traître. Donc, des mouvements de génération, des mouvements d'idées. Puis Stéphane, t'abordais aussi les influences extérieures, nationales, internationales, le mouvement des femmes, la prise de parole des Autochtones. C'est pas un phénomène qui est particulier au Québec de l'époque. C'est quoi les grandes influences nationales et internationales de la Révolution tranquille? Mais qu'est-ce qui fait aussi la spécificité? Tu as commencé à l'aborder, mais on peut revenir aussi un peu là-dessus. Martin, je ne sais pas si tu veux te lancer là-dedans.
Ah, il y a plusieurs exemples qui vont parler en termes d'influence de la Révolution tranquille. Eh bien, effectivement, il y a des éléments qui sont internationaux, parce que le Québec n'a jamais été isolé. Le Québec participe au monde. Et le Québec, par contre, les habitants du Québec qui sont là vont voir les tendances mondiales et vont trouver parfois des réponses particulières, des réponses nationales, des réponses locales, selon l'échelle dans laquelle ils sont, en tant que telle, l'échelle d'observation dans laquelle ils sont, pour apporter, qui vont adapter par eux-mêmes. Bon. Un exemple que je pourrais donner, c'est la question de la décolonisation. On parle de la décolonisation dès les années 1900, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale à travers le monde, où plusieurs pays d'Afrique et d'Asie acquièrent l'indépendance. À ce moment-là, eh bien, tout le mode de décolonisation il va avoir un impact considérable, entre autres, pour revoir, l'idéologie, puis les normes, la doctrine nationale qu'on fait au Québec. Donc, auparavant, on voit ça en grande partie comme étant une distinction entre un Canada anglais et un Canada français, mais là, ça ne nous permettait pas tant que ça de comprendre, par exemple, toute la dimension économique qui soutient entre autres, les modes de domination qui sont présents en tant que tels. Et la décolonisation s'est avérée à ce moment-là. Quand on regarde des gens, par exemple, de Marty Spree, lorsqu'on regarde des gens du RIN, par exemple, autour de Pierre Bourgault, ainsi de suite, ce sont des gens qui vont s'inspirer, justement, des mouvements internationaux. Mais d'ailleurs, la solution pour eux autres, la décolonisation, c'est la cession à l'indépendance. Donc, c'est un élément qui joue beaucoup là-dessus. Autre élément également, bien évidemment, on parlait au tout début des questions des droits et libertés. Eh bien, à l'époque, les droits et libertés, bon, c'est par exemple la lutte des Afro-Américains qui est particulièrement importante à ce moment-là, qui occupe l'espace public. Martin Luther King, Malcolm X, ainsi de suite. Eh bien, bien des militants au Québec, bien des militants nationalistes au Québec vont s'inspirer justement du cas justement des Afro-Américains. Ils vont dire, regardez, bon, le livre de Pierre Vallière, Nègre blanc d'Amérique, s'inscrit justement dans cette pensée, ou encore le poème de Michel Lalonde, Speed White, en tant que tel. Donc, ce sont des courants internationaux qui se produisent en même temps, mais qui ont une résonance particulière pour pouvoir comprendre la situation qui est présente actuellement au Québec. Il y a d'autres courants internationaux, là, on parle par exemple des mouvements migratoires. Les mouvements migratoires qui accélèrent à ce moment-là, grâce à l'amélioration transports, des moyens de transport, là, grâce à l'amélioration également des moyens de communication, la télévision, ainsi de suite. Donc, ces mouvements migratoires deviennent de plus en plus pluriels, ils viennent de différentes régions à travers le monde. Et là, ça va poser la question de la pluralité. Qu'est-ce qu'on fait pour intégrer, par exemple, les immigrants? Et un des moments importants de la Révolution tranquille, selon nous, c'est ce qui se produit à la fin de la Révolution tranquille, en 79-80, c'est tout le mouvement des Boat People, par exemple. Le mouvement des Boat People, c'est un peu la synthèse de ces élites définitrices d'un côté, l'action des élites définitrices, et aussi de la prise de parole des citoyens. Et ça, c'est formidable de voir comment ça s'est produit. On a, par exemple, à l'intérieur du gouvernement Lévesque, un ministre qui est particulièrement sensibilisé à cette question-là, Jacques Couture, qui a vu, entre autres, la misère des camps de réfugiés en Asie du Sud-Est, puis là, qui dit, ben, c'est important, justement, que le Québec exerce la plénitude de ses compétences en matière d'immigration. Et entre autres, il va, bon, après l'accord Couture-Colonne en 1978, où le Québec récupère son droit d'exercice en matière d'immigration, eh bien, il est important d'accueillir ces réfugiés, d'une part. Et d'autre part, c'est tout le programme, justement, de l'immigration humanitaire dans lequel il y a des centaines et des centaines de milliers de personnes qui vont être impliquées là-dedans. Ça va être des paroisses, ça va être des groupes syndicaux, ça va être des coopératives, ça va être des familles qui vont accueillir, justement, des familles qui viennent du Vietnam, du Cambodge et du Laos. Et on les voit arriver dès 1980. On va les retrouver un peu partout au Québec, ces réfugiés. Et c'est justement un formidable mouvement de générosité collective qui se fait là. Donc, on voit ici, le Québec appartient à la fois au monde, mais en même temps, adapte à sa manière. Donc, c'est le principe de la corvée, par exemple.
Le fait, par exemple, qu'on peut voir ici, on se regroupe ensemble, on donne un coup de main, on va accueillir justement ces réfugiés, on va les parrainer de telle manière qu'ils puissent sortir d'une misère et des conditions qu'on appelait infrahumaines. D'ailleurs, Fernand Dumont, le grand sociologue Fernand Dumont, parlait qu'on transformait des gens qui sont des dépendants en des citoyens. Et ça, c'est une des tendances de la Révolution tranquille qui est présente, une des influences qui est présente ici. J'ajouterai rapidement la conception d'un État-providence. C'est pas le Québec qui invente ça. Ce sont pas les élites définitrices du Québec qui inventent ça à la mort de Duplessis. Partout en Occident, depuis les années 30, avec la crise économique, comme réponse à la crise économique, ça prend plusieurs années, mais la question là, de développer un État-providence, donc avec des politiques sociales, avec des considérations bien économiques qui sont rattachées à tout ça, là, c'est-à-dire de s'assurer que l'ensemble de la population presque ait accès à un revenu minimum garanti, par exemple, au travers de politiques sociales pour éviter de futures crises économiques. Ben, plusieurs pays en Occident, hein, même aux États-Unis, mais particulièrement après la Deuxième Guerre mondiale en France, en Grande-Bretagne, etc., on développe cette notion d'un État-providence. Et même au Canada, à la toute fin des années 1930, mais particulièrement là, après la Deuxième Guerre mondiale, ou à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et après, dans les années donc 45-50, dans les années 50 aussi, il y a tout le développement d'un État-providence canadien. Et là, donc, le Québec n'agit pas en vase clos. Et ceux qui contestent l'ordre établi sous Duplessis et qui voudraient que le Québec, justement, devienne un État avec des politiques sociales beaucoup plus importantes, eh bien, ils n'inventent pas ça, là, ces mouvements contestataires. Alors, ils regardent ce que le Canada, l'État central, fait, regardent ce qui se passe ailleurs. Mais ce qui apporte une coloration particulière à l'expérience québécoise, à notre avis, par rapport à l'État-providence, ben c'est la question de l'émancipation collective qui s'ajoute à ce développement d'un État. Donc, l'État est perçu comme un levier pour bien des élites définitrices au Québec. L'État est perçu comme un levier qui doit bénéficier d'abord et avant tout à l'émancipation des Canadiens français. Ça, c'est particulièrement là au début de la Révolution tranquille. Et cette notion d'émancipation va s'élargir par la suite, un peu comme Martin l'expliquait dans une réponse précédemment, à bien des groupes, et l'État deviendra central à cette émancipation. Mais donc, la question nationale qui colore la dimension de l'établissement d'un État-providence est, à notre avis, là, une expérience propre à celle québécoise. Vous avez beaucoup centré votre livre justement sur cet État québécois là, qui prend forme, auquel on se réfère aussi de plus en plus, qui veut l'émancipation de ses citoyens, qui est en compétition aussi avec l'État canadien. Est-ce que la Révolution tranquille est un phénomène qui est strictement québécois? Parce qu'on sait que les relations entre le Québec et les francophonies à l'échelle nationale se transforment aussi dans les années 60. Puis du côté, par exemple, de l'Ontario, on voit émerger des mouvements qui visent à plus d'autonomie, comme la coopérative du Nouvel-Ontario. On veut développer un art, un théâtre qui parle davantage de l'identité franco-ontarienne. On voit les vocables aussi changer tranquillement. Même chose du côté de l'Acadie. Bon, l'Acadie a toujours eu une identité particulière. On voit, par exemple, avec la grève à l'Université de Moncton, avec la résistance par rapport au maire Jones, le maire de Moncton, qui prend l'unilinguisme. Donc, est-ce qu'il y a des révolutions tranquilles qui se déroulent ailleurs au Canada? Puis là, je pense à un article de mes collègues Frédéric Boily et Joël Bilibeau qui ont écrit sur la révolution tranquille au Nouveau-Brunswick dans les années 60 avec le gouvernement de Louis Robichaud et le programme Chance égale pour tous. J'aimerais ça vous entendre un peu là-dessus. Je dirais assurément, et ce n'est pas dans le but de diluer ce qu'a été la Révolution tranquille
pour le Québec, mais telle que définie, telle que nous la définissions, cette révolution tranquille, alors qui est associée à une série de phénomènes et d'enjeux que l'on traite là depuis 45 minutes avec toi, Valérie. Oui, nous pensons que cette notion de révolution tranquille, jusqu'à un certain point, ça peut devenir une notion qui est applicable jusqu'à un certain point pour les francophonies canadiennes, particulièrement, par exemple, les Acadiens ou encore les franco-ontariens ou d'autres. Même parfois, certains chercheurs parlent d'une révolution tranquille au Canada anglais. Alors, c'est parce qu'il y a là des phénomènes associés à ce qu'on a appelé au Québec la révolution tranquille. Et ces phénomènes se retrouvent également avec des degrés divers, des façons de faire parfois un peu différentes, mais se retrouvent également dans d'autres communautés francophones ou même d'autres peuples, parce que certains chercheurs parlent de révolution tranquille aussi pour d'autres nations ailleurs. J'ai eu le même sens que Stéphane, d'ailleurs. Stéphane, je le souligne à la fin, c'est qu'il y a une tendance aussi internationale qu'on voit à l'époque, c'est de moins des petites nations. On voit, par exemple, des Bretons en France, des Écossais en Grande-Bretagne, des Catalans également. Ça commence à bouger pas mal en Espagne, et ainsi de suite. Et là, on va très souvent, ces mouvements-là qui ne vont pas nécessairement vers des mouvements violents, on va parler de révolution tranquille en tant que telle. C'est-à-dire, essentiellement, ce qu'un sociologue qu'on connaît bien, Jean-Philippe Warren, à parler d'évolution bruyante ici. Donc, c'est-à-dire, il y a une forme d'évolution avec ce qui s'est fait auparavant, ce qui se faisait dès les années 30. La révolution tranquille n'est pas parue comme le lapin d'un chapeau d'un magicien en tant que tel. Ça s'est préparé à l'avance, ainsi de suite. Ça s'est développé, ça s'est répandu à partir des années 1960. Et là, ça se manifeste plus qu'au lapin des années 70-80 pour nous. Eh bien, ce mouvement-là, effectivement, c'est un mouvement qui est assez bruyant parce que c'est une prise de parole aussi. Donc, c'est une prise de parole, puis une prise de parole par laquelle les citoyens et les citoyennes vont s'impliquer là-dedans. Et ce mouvement-là qu'on voit, on va le voir évidemment parmi les francophonies canadiennes, tu soulignais tout à l'heure, Valérie, le cas de l'Acadie, le cas de l'Ontario français, on peut parler aussi des prairies, mais on peut parler aussi des franco-américains qui, à l'époque, dans les années 70, on parle du ethnic revival aux États-Unis, dans lequel les Franco-Américains prennent place de plus en plus dans l'espace politique américain. C'est un phénomène international, mais le cas québécois est singulier. Et le cas québécois est singulier, entre autres, par son rapport à l'État. On insiste beaucoup sur cette dimension-là. C'est que lorsqu'on parle, par exemple, des Catalans, il y a un gouvernement, mais il ne cherche pas à atteindre son indépendance à ce moment-là. Puis d'ailleurs, c'est la dictature de Franco à l'époque. Il y a un parlement à Édimbourg, en Écosse, mais encore une fois, ça ne se manifeste pas avec des politiques sociales comme on voit, par exemple, au Québec. Dans le cas de l'Acadie, par exemple, il ne faut pas oublier que les Acadiens sont minoritaires. Ils n'ont pas de contrôle sur la province du Nouveau-Brunswick, pas plus que des Franco-Ontariens, par exemple. Et la différence, c'est qu'au Québec, à ce moment-là, c'est le rapport à l'État qui joue un grand rôle ici. C'est ça qui distingue, je dirais. Un élément qui distingue profondément la Révolution tranquille des autres révolutions tranquilles sont faites, entre autres, dans les petites nations ailleurs. Merci. Mais là, je vois que le temps file, puis j'ai une dernière question pour vous. Est-ce qu'à votre avis, il demeure des mythes importants à déboulonner au sujet de la Révolution tranquille? Oh, des mythes. Un élément que je pense, je ne parle pas dans le temps d'un mythe, mais il y a des éléments qu'on ne met pas assez en valeur concernant la Révolution tranquille. Et bon, je pense par exemple au mouvement des femmes. Le mouvement des femmes, ce qui se passe au Québec, évidemment, c'est un mouvement international. On le voit ailleurs, ainsi de suite.
On le voit, par exemple, les questions de la contraception à partir de la pilule anticonceptionnelle en 1960, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble de l'Occident et l'ensemble même du monde à ce moment-là. Mais au Québec, ça va se poser avec une dimension particulière parce que c'est le rapport avec l'Église catholique, par exemple. Revenons à la question des femmes, par exemple. L'importance qu'on va donner, par exemple, à leur insertion dans le marché du travail. Et ça, c'est un élément qui est très québécois en tant que tel. On peut voir en tant que tel. On le voit, entre autres, avec la question des garderies, les questions de garde qu'on voit dès la fin des années 70. C'est bien un des enjeux majeurs là-dessus. Donc, c'est un des mythes, c'est, je dirais ici, c'est de... Quand on se met à parler de manière exceptionnelle du Québec, c'est qu'on a tendance à oublier l'appartenance, okay, de ce Québec à un monde, d'une part, et d'autre part, lorsqu'on insiste trop sur le caractère commun du Québec, on a tendance à ce moment-là à négliger les aspects spécifiques. Le Québec n'est pas pire, n'est pas différent, n'est pas nécessairement mieux ou pire qu'un autre endroit dans le monde. C'est un endroit qui participe du monde. Et la Révolution tranquille, il me semble que c'est un des mythes qu'il faut mettre, qu'il faut revoir, je dirais ici, c'est de voir comme étant quelque chose qui est à la fois unique, mais en même temps quelque chose qui est à la fois trop commun. En fait, ça participe des deux. C'est à la fois commun, il y a des tendances internationales, et unique, parce qu'il y a des spécificités auxquelles les Québécois, les Québécoises tentent de répondre. On le voit, entre autres, avec la question des femmes, mais j'aurais pu parler, par exemple, de la question régionale, par exemple, ou de la question, par exemple, de l'environnement, ou de la question, par exemple, la question linguistique, c'est un bel exemple là-dessus, ou la question du développement économique. Stéphane en aura sans doute d'autres exemples à donner en termes de mythes. Bien, très rapidement, ce que notre livre montre, c'est que c'est pas vrai que la Révolution tranquille a été faite par 4-5 ministres et une dizaine de technocrates. C'est beaucoup plus large que ça. Et quand on parle de tous ces nouveaux protagonistes, quand on parle d'idée du choc des valeurs, justement, en lien avec les mouvements sociaux, les groupes de pression, bien là, il y a une multitude d'acteurs sociaux, politiques, qui vont interagir avec les élites définitrices, qui sont souvent associées à des hommes, d'ailleurs, surtout pour la première moitié des années 60. Et puis, les nouveaux acteurs qu'on met dans cette grande histoire de la Révolution tranquille, bien, il y a beaucoup de femmes là-dedans. Non seulement dans les groupes féministes, les mouvements sociaux associés là aux féministes, mais il y a beaucoup de femmes qui militent dans les groupes environnementalistes, dans les groupes nationalistes pour la question nationale aussi, dans les groupes indépendantistes, chez les Autochtones, etc. Donc, pour nous, c'est beaucoup plus large, la Révolution tranquille, que simplement un groupe d'acteurs, souvent masculins, très restreints, qui sont 4-5 ministres et une dizaine de technocrates. Là-dessus, je vous remercie énormément là, pour la belle heure qu'on vient de passer ensemble. J'espère que le public a apprécié. Puis, pour découvrir le bouillonnement de cette époque, les chocs de valeurs, je vous invite à lire cette brève histoire de la Révolution tranquille. Donc, merci encore Stéphane et Martin. Merci beaucoup Valérie.